Aïta Pechuta, Daf Dalet Amud Aleph en bas. Aïta Pechuta ma Sarat Fahim Hakakba. Quand elle était moins de. La souka était réduite de 10 points. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le gars? Il a creusé dans la terre. Kedele Hashlima. Im Yesh Misfat Hakak. Du bas de ce qu'il a creusé. Vela Kotel. Shloshat et Fahim. Pesula. C'est-à-dire. La souka, elle est large, admettant 2 mètres de largeur. Il a creusé dans les 2 mètres un trou, mais le trou n'arrive pas au niveau du mur. Il y a du bord du trou au mur. S'il y a plus de 3 tefahim et les psoula, parce que les murs, ils ne sont pas liés au trou. Parod, Mishlachat Fahim Kshira. La Gemara a dit, qu'est-ce que tu me racontes? Tu as dit dans Dofena Akuma que tu considères le mur à 4 amotes. 4 amotes, ça représente 2 mètres. Là, tu me parles de 3 points. Ça veut dire 24 cm. 10 fois moins. Maïchna, Adam de Amart, Pachot Mehar Bahamot, Maïchna, Acha de Amart, Pachot Mishlocha Tefahim. Elle m'a dit, Adam, dit le Dofen, Pachot Mehar Bahamot. Sagia. C'est-à-dire, il y a un mur normal. Acha. L'ishveye les dauphins, parot mishloshet fachim in. Ilolo. Il te dit, là-bas, il y a un mur normal. Là, il y a un problème dans le mur. Le mur, il n'est pas haut. Alors, il y a un vrai problème. Quand le mur, il est fait comme il doit être fait. Il y a déjà un dauphin. Il y a déjà un dauphin. Alors bon, la distance, du moment qu'il touche, dauphin à Akuma. Non, on va. Une sorte de pyramide. Un mur, au lieu de dire qu'il est comme ça, je le considère comme s'il va comme ça en réalité. C'est énorme. Mais quand tu n'as pas de mur, ça veut dire que ta souka, elle est moins. Que dit Farim, c'est une niche. C'est pas. Il n'y a pas de mur. Tanoura Banane. Alors, maintenant, vous avez fait le Tosfot. C'est très important ce Tosfot. On prend maintenant une nouvelle halakha. Tanoura Banane. Naratz Arbaa, excusez-moi, j'ai sauté. Aïta Gevoa, mais Sri Mama. La souka, elle est plus haute que 10 mètres. Ubanaba Amoud Shou Gavoa Asarat Fahim. Veyeshbo Echer Souka. J'ai une souka très haute. Elle n'est pas cachère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans la souka, il n'a pas mis une estrade, il a mis dans la souka un poteau. Moi, elle dit un poteau, pourquoi un poteau? Parce que c'est assez étroit. Un poteau qui fait 7 points et demi, ça veut dire de quoi mettre Rochot et Roubaud. 7 points et demi, c'est équivalent d'après un demi-mètre carré, un peu moins d'un demi-mètre carré. D'accord? Selon Rabbi Chaim Nahé, fait 7 fois 8, 7 fois 8, 48. 56. Tu as 56 centimètres carrés. C'est plus qu'un demi-mètre. Tu peux mettre sur quoi? Qu'est-ce que tu mets sur 56 centimètres carrés? Tu mets une chaise. Une chaise. Donc, il a fait un poteau. Il est surélevé du sol. 10 points à Sarat Farim. Il est couvert à Réchou de Bifneretzmon. Et il va se mettre dessus pour être plus proche du srar. C'est-à-dire que le srar, par rapport à lui... C'est un funambule. Oui, mais tu sais, tout ça... Comment ils arrivent à ces questions, Rav? Non, parce qu'à l'époque, il faut que tu comprennes, il y avait des... t'as pas de souka, t'es paniqué. Et tu dis, où je vais manger mon kaza? Il dit, allez, tiens, je vais mettre la table, elle fait 10 points d'auteur, je vais la faire rentrer dans la souka, je m'assois, je monte dessus, je mange. Un truc. Ah, ce qui est marrant dans ça, parce qu'on est au début de la masse, on commence, c'est pas classique, on commence par des cas spéciaux. Au lieu de dire les principes fondamentaux, ça, 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 et après on rentre tout doucement dans les cas particuliers, là c'est l'inverse, on apprend des cas particuliers. Mais pas par ça, c'est l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire par les exceptions. Tu comprends en fin de compte qu'il te faut quoi? Qu'il te faut une maison, qu'il faut que ce soit habitable, qu'il faut que ça ait des paramètres. Maintenant, l'ordre, tu as raison, pourquoi tu as commencé par là? Rabbi Yehuda HaNassi, il avait une règle.
comme il a entendu au Beth Amidrash, il a essayé de faire des traités, il a fait un traité de Souka, mais il ne changeait pas de l'ordre abordé au Beth Amidrash. Shana Bilishon Rabo, même si des fois le langage il est dur, le cas, dans l'ordre où que ça a été enseigné, ou que les rabbins, parce que les rabbins parlaient entre elle est haute, elle est, donc il a mis dans l'ordre ce qu'il a entendu. Rambam, ben mettre le Rambam, il commence la souka kshira. Ma possède la souka. Possède à l'intérieur, possède à l'extérieur, il te donne, il fait des thèmes exceptionnels. Quoi, que, par rapport à ce qu'on disait la dernière fois, c'est que aujourd'hui, c'est à tour. Et là, dans la marque, les guéonimes, on rentre dans des détails pour essayer de. Alors, comme ça, moi, toi, tu pourras manger si tu fais comme. Si on disait ça aujourd'hui, on disait. Tu fais n'importe quoi. Tu joues avec la lacha. Pour dire, tu joues avec la lacha. Tu vois ce que je veux dire? Alors là, on voit des trucs, à moins de pouvoir te faire un peu. Ouais, tu mets sur la table. Maintenant, alors regardez le ridouche qu'il a voulu dire. Alors, en réalité, moi, j'y suis. La Gemara, maintenant, elle veut donner le dîme de Good Asik. Good Asik, c'est quoi? J'ai en fait l'idée. Il y a une logique. C'est quoi l'idée? L'idée, tu me dis, un mur dans une souka, c'est fait pour quoi un mur? Pourquoi c'est fait un mur? Pour tenir le toit. Ou pour protéger. Oui. Ou pour protéger le toit. Ah, non, dans une habitation, un mur, il est fait pour quoi? Protéger. Aussi. Protéger de quoi? D'une entrée. Un mur en verre, même si c'est visible, c'est un mur. Ouais. D'accord. Donc la Gemara, elle considère que normalement, ce monsieur, il a pris, par exemple, pour qu'on comprenne plus facilement, il a pris un tonneau. En fait, un tonneau. Un tonneau, il a posé un tonneau et il s'est mis là-dessus. Le tonneau, il est plus haut que 10 mètres. Il s'est assis sur. Oui, il est assis sur le tonneau. Il s'est monté son tonneau, en fait. Ouais. Il s'est monté son tonneau, il est assis dessus. Dans la souka, comme ça, il est plus près du scar. Il n'y a pas de mur autour de lui. Mais il a fait. Maintenant, il n'a pas quatre murs autour de lui. Les murs sont éloignés, puisque les murs ne sont pas sous. C'est une souka qui est sous là, d'accord? Et il y a moins de. On a dit, il n'y a pas de dauphin à couvrir. Il n'a pas deux à moitié d'heure. La question, c'est du fait qu'il y a cette notion du mur. Il y a cette notion du mur. Est-ce que je considère que le mur, il peut monter encore en haut, puisque de toute façon, il fait une protection naturelle du fait qu'il est surélevé du sol. Le tonneau, il est surélevé du sol, on est bien d'accord. Quand il est comme une chaise, comme une table, comme n'importe quoi. Comme une, d'accord. C'est-à-dire que, en fait, le tonneau, il a des murs, de, il a des parois de tous les côtés. Je suis là-dessus, donc c'est, je suis en haut. Je suis protégé quelque part par le fait que je suis sur le tonneau, d'accord? Mais ça ressemble à une estrade, en fait. Non, voilà. Si je protège, je suis à l'intérieur du tonneau, mais pas à l'extérieur. Non, même à l'extérieur. Non, c'est-à-dire un animal ne peut pas rentrer là-bas. Sur le toit de ma maison, je suis pas protégé d'extérieur. Tu dis que c'est quoi la définition d'une maison, qu'un animal ne peut pas rentrer? Je suis pas protégé sur le toit. Pourquoi tu n'es pas protégé? Tu es protégé, il est haut, il est surélevé. Tu bénéficies de la protection des parois du tonneau. Oui, mais dans le cas de l'estrade, on a dit qu'il fallait qu'il y ait une... Dans l'estrade, c'est autre... Non, parce que... Là, il n'y a pas de révar. Le mur, il est plus éloigné, donc il ne peut pas me servir. On n'a pas de Dauphin Akuma ici. Il n'y a pas de Dauphin Akuma qu'on avait expliqué, parce qu'il est loin, plus de 2 mètres de chaque coin, de chaque mur. La question, c'est est-ce que je dis comme... La logique, elle dirait que le mur, il fait une sorte de protection, le mur de ce hamoud ou de ce tonneau, pas en plante. Je dis comme si tu dis visuellement, pas visuellement, virtuellement, continue un peu les parois, monte un peu plus. Ça s'appelle good asik. Monte, fais monter. C'est-à-dire que prends le mur qui est en bas, qui est 10 points. Virtuellement, fais-le monter encore plus. Comme ça, il me sert comme Mechitza. Fais-moi monter le mur Good Asik. Fais-le monter. Allez, autant. Parce que déjà, quand même, il a une protection. Il est surélevé du sol. Le tonneau, la base, elle est surélevée minimum 10 points. Minimum 10 points. Par contre, c'est vide. Entre le scar et le. C'est vide. Total. C'est vide. Est-ce que je considère que le mur d'en bas, virtuellement,
il monte encore un peu plus vers le haut. Et c'est comme si j'ai un mur qui me couvre, parce que j'ai quand même une protection qui est venue du mur. C'est mais ça la que, question. Mais est-ce que la question, il y a quand même une contradiction. Pourquoi ? Parce que comment on considère qu'on dit qu'il faut un mètre ? On parle d'un mètre du mur ou on parle un mètre de moi, Oscar ? Oh ! Parce que sinon, c'est où tu te positionnes ? La souka, elle est là, toi, tu te mets par-dessus. Alors, c'est un débat entre... C'est un débat, mais que Abaye, en fin de compte, il a été modé à Rava. Abaye, il voulait rendre cachère cette souka. En disant quoi ? Goudasik, un mur virtuel. Alors, pourquoi on n'a pas dit ça pour l'estrade, alors ? Pourquoi pour l'estrade, on a demandé un revers spécial ? Tu as demandé ? Non, mais tu lui as donné. Si, non, dans l'estrade, non. Dans l'estrade, parce que le sol en bas, il est éloigné du srar, plus devant. J'ai monté une estrade pour être plus proche. Ouais, okay. D'accord. L'estrade, quand elle a touché toutes les bases de la souka, les murs, donc c'est devenu les murs. C'est devenu la souka. On avait dit que c'était pas collé. On avait dit que c'était pas collé à deux murs, c'était pas cachère. Non, pas collé. Il fallait demander moins de 2 mètres. Oui, d'accord. Ou collé ou à 2 mètres. Non, alors je lui ai donné l'avantage. Je lui ai donné de Fenakuma. Alors maintenant, il te dit, de la même manière que tu as donné de Fenakuma, donne-lui Goudasik. On va faire ce qu'on veut. Il a quand même un mètre. Il a un mètre en bas. Il y a un mètre. Je suis assis sur un tonneau. Le tonneau, il a un mètre de hauteur. Donc, il a une protection, quelque part, une protection du fait qu'il est haut. Abaye, pour cet argument, il a voulu dire, continue, monte le mur virtuel, fais-le, amène-le un peu plus. Alors, Abaye lui dit, non. Bainan. Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant ? Il dit qu'un bara, mais on voit que par exemple, cette halakha, par exemple, elle est valable pour Shabbat, par exemple. Je vais vous donner l'exemple. La svara de Rava, elle n'est pas arrachée des cheveux. Ouais, elle n'est pas en l'air. Tirée des cheveux. Pourquoi elle n'est pas tirée des cheveux ? Parce que dans ma sérée de Shabbat, par exemple, on te dit, si tu es sur une île, tu veux transporter. Alors on te dit, si l'île, dans l'île, elle est plus haut que l'eau, mais d'une hauteur comme un rocher, ce n'est pas du sable qui descend jusqu'à l'eau. Elle a une hauteur de 1 mètre, ça fait une muraille naturelle, un hérouve naturel, tu n'as pas besoin de faire un hérouve. Tu attends un hérouve. C'est-à-dire que si je suis en plein Paris, je suis dans l'île Saint-Denis, d'accord, qui a le canal, il y a un mur qui tourne tout autour de l'île. Là-bas, Mitadadine, tu n'as pas besoin de faire de hérouve. C'est un hérouve naturel. Par l'eau, en fait. C'est l'eau qui fait que l'hérouve. C'est pas un clos. C'est du fait qu'il y a un mur. Il ne descend pas directement dans l'eau. Il y a un mur. Je ne sais pas, moi, il faut calculer les escaliers, il faut voir comment ça marche. Mais en tous les cas, il y a une ouverture. Là. Il n'y a pas de problème. Et ça serait cachère pour le hérouve. Et tu vois que quoi qu'un mur naturel de 10 points, 10 farim, il est valable. Donc, il est valable comme... Arrête, moi, je suis en hauteur. Je suis sur le mur, puisque le mur, il descend. Oui. D'accord ? Et malgré tout, tu vois que je considère ça comme une muraille. Alors, c'est la logique, l'idée de Abaye. Prends cette même logique. Tu as une muraille, tu as quelque chose, un mur en bas. Je suis assis sur les murs en haut. Monte le mur virtuellement. Monte-le. C'est dans Shabbat. Alors, fais-moi maintenant la différence entre les deux. Là, ça me coûte, je suis contrarié. J'ai une terrasse. Je n'ai pas de mur sur ma terrasse. Ma terrasse, elle a 10 mètres de hauteur. Je mets juste un scarf. Ah ben, je suis bien. Je suis goudassique. Non, mais ta terrasse à toi, tu n'as pas compris. Bah, 10 mètres, elle a 10 mètres de hauteur, ma terrasse. Non, mais ta terrasse du sol. D'abord, ta terrasse, elle est branchée à un mur qui est lié au sol. Mais tout est branché à un mur qui est lié au sol. Non, mais là, non. Ah, là, non. C'est pas fixé. Là, on est dans une souterraine. Non, là, tu es dans. Tout est relatif. Non, non. Là-bas, depuis le mur, d'abord, dans le mur, tu n'as pas. Là. Je suis assis sur quelque chose qui n'est pas fixe, que moi j'ai mis, qui bouge. Je l'ai amené comme intention de souka. Il a un mètre. Je suis sur un truc de terre de 4 mètres de hauteur qui est par rapport au truc. Je monte dessus. C'est pas pour la carcate. Hein, bonne question. Je suis goudassique. Non, c'est pas goudassique. Je branche et en l'air et je dis goudassique. Ça te va bien. Ça monte. Je comprends. Non, mais là c'est pas. D'abord, là, c'est Mechoubar la Karka. Là-bas, c'est pas Mechoubar. Tu peux dire Mechoubar la Karka. Tu peux jouer sur Mechoubar. Trouve-moi un point. Alors, bon, il a voulu dire une logique. Rava,
Abaye, il est revenu sur son opinion. Il a voulu autoriser, mais il est revenu sur son opinion. Rava, il vient, il dit à Abaye, non, il faut qu'il y ait un minimum d'un mur que je vois. Ça veut dire, l'idée, voilà, tu ne peux pas tout. Même dans le goudasik, quand tu vois un mur qui commence à monter, je peux comprendre. Mais je ne peux pas non plus. Goudasik, je fais. C'est vrai. Où je fais le goudasik. Où tu fais un goudasik. Où tu fais un goudasik. Tu fais un goudasik très simple. Exactement, quand tu as un balcon. Un balcon. Le mur du balcon, même si ton scarf il est 3 mètres de hauteur, tu dis que le mur il est monté jusqu'en haut. Mais j'ai un mur déjà. J'ai un mur. Il dit bah, il a une mechitzot anikarot, veleika. Il te manque. Rava. Rava, c'est le barazvara du chasse. Amar les Rava. Et c'est ça intéressant parce que Amar les Rava, bah, il a une mechitzot anikarot, veleika. Mais là, vous voyez, contrairement à toutes les histoires du Talmud entre Amarava et Amarava, ici c'est écrit Savar Abaye le Memar. Abaye voulait dire, quand c'est Savar Abaye, c'est-à-dire que Rava, par son raisonnement, il a raisonné. Il n'est pas resté opposant. Amar le Rava Bainan Mechitzot Anikarot Veleika. Il n'y a pas. En fait, à la base, il avait mis le tonneau pour un problème de Gova. De Gova. Ouais, et il voulait utiliser, la hauteur du tonneau pour servir à un mur qui monte. C'est-à-dire, de là, qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'on ne dit jamais good asik sur un mur qui est zéro par rapport à mes pieds. Sinon là, par rapport à ça, c'est très simple. J'ai une souka qui mesure 2 mètres 10. 20 mètres et 10 cm, je fais une estrade de 10 cm, sans mur, sans rien, truc, et je me mets dessus, j'ai mis un souka. Si elle est proche, si ton estrade elle est proche, moins de 2 mètres des murs. Sans mur, j'ai pas de mur. Ah, t'as mais je mets une estrade, je fais une estrade, je fais Nara, Alors, c'est ça qui est bizarre, c'est la contradiction avec tout ce qu'on a dit précédemment par rapport au nombre de murs. Alors, il y a fait, maintenant, on va voir des détails sur le goudachit et goudasik. Maintenant, la Gemara, c'est le sujet du goudachit et du goudasik, le mur qui monte ou qui descend virtuellement. On va voir des cas. La Gemara, elle amène ici. Tanoura banane, regardez. Regardez le schéma. Naatz arba kondisin. J'ai pris 4 poteaux. Je les ai enfoncés dans la terre. J'ai fait une sorte de choupa. Je l'ai bien enfoncé dans la terre. J'ai mis du sracha. Naatz arba kondisin. Vesichech al gaban. Rabbi Yaakov Machshir. Vachachamim. Poslim. Alors, Behemet, Rashi, déjà, on va voir. Quelle est la logique de Rabbi Yaakov qu'il est Machshir? Une choupa? Il n'y a pas de mur. Elle est où la logique? Rashi va expliquer que l'épaisseur des poteaux enfoncés dans la terre, ils font plus qu'un point, ils sont larges. Ils font 10 cm. On va voir tout de suite, on va voir Rashi. Alors, en tous les cas, le débat déjà. Naat arba kundisin vesicher al gaban, Rabbi Yaakov Machshir vechachamim poslim. On va voir, il est où le débat? Regardons Rashi. On va voir, non, Rashi, il est plus bas. Bon, on va voir. Alors maintenant, la Gemara, on est encore dans la Gemara. Il est où le Vesikir? Alors pourquoi Rabbi Yaakov il a rendu kasher? Amaravuna machloket al sfat agag. De Rabbi Yaakov savar amrinan good asik mechitzta. Il dit sur le toit c'est kasher. Good asik mechitzta. Regardez Rashi. Chez la Hamoud, chez Mibachout, sa vie avec Biam, Asara, Zivot, Rocho, Varie, Jbaim, Gova, Asara, le Hachou, Vasuka, Rocho, Vedofne, Hamoud, Dofnote, Alede, Goud, Asik, Ousrach, Chez Mala, Kacher, la Deno, le Mala, Mikaf, Mirocha, Hamoud. Pardon, excusez-moi, non, 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 non.
excusez-moi, marloket esrat agag. De mechitat abayit tachtea, keneged ben akundisin, vehikale memar, goud asik, veachol lo amrinan, de bainan mechitat anikarot. Dans ce débat de Rabbi Yaakov et de Chachamim, leur question, leur seul débat, il est sur quoi ? C'est... La Gemara, elle a compris que... En réalité, c'est dans ces... La Gemara, elle a compris au début que j'ai une maison. Et la maison... Il n'y a pas de toit en haut. C'est une ruine. J'ai mis à l'extérieur de la maison quatre grands poteaux. J'ai mis mon srach. Et le mur de la ruine, je dis comme s'il monte, il arrive jusqu'au srach. Est-ce que c'est bon? C'est quand, d'après Rashi, on va voir tout de suite, attendez. Aval be'em tzahagag, Rashi dit be'em tzahagag, she'en tachte ha'mechitzot, divrei akol psula. C'est-à-dire, dans l'endroit où il n'y a pas du tout be'em tzahagag, c'est-à-dire, je suis pas, j'ai un toit, et je n'ai pas de méchitzot autour de moi. Il dit vrai, Yaakov Soula, on va voir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire? Attends, on va voir tout de suite. Rien que déjà l'idée. De Rabbi Yaakov, ça va ramener un goud asik méchitzta. Ve Rabbanan, c'est vrai? Lo amre goud asik méchitzta. On ne dit pas qu'on fait monter un mur virtuel. Aval ben tzahagag, dit vrai Yaakov Soula. Et ça, c'est une bonne question. Pourquoi dit vrai Yaakov Soula? Alors, le mur de la maison, il devrait monter. Il te dit non. L'Ikhora, on est d'accord avec l'argument de Rava, qu'il faut qu'il y ait un mur nikar, qu'il y ait un mur autour de moi. Maintenant, la question, il monte ou il ne monte pas? Est-ce que c'est valable? Ça, c'est le premier débat. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dit, en fait. Rabbi Yaakov et Chachamim, ils ont dit une braïta. Il a dit Kundisin, on ne sait pas dans quoi il a parlé. Sur un mur, pas sur un mur, il y a une maison en bas, il n'y a pas de maison. Mais on voit qu'ils se sont battus sur quelque chose, que la logique, ça veut dire, c'est illogique de dire que le débat, il est comme ça. Il n'est que sur une roupa. Qui c'est qui ne demande pas de mur dans la souka? Qui c'est qui ne veut pas de mur? Rabbi Yaakov, c'est impossible. Alors la Gemara, elle a essayé d'expliquer dans quel cas il s'agit le débat. Donc, il est où ce débat? Alors on a donné un premier schéma, que quoi? Le débat, il est, il y a une maison, une ruine sous le srach, il n'y a pas de toit. Est-ce que je continue des murs virtuels ou je ne les continue pas? Mais si ces kundisines, ils sont sur un toit, c'est-à-dire je suis à zéro, je n'ai rien comme mur, livré à Kolpsoula, comme ça l'Agmara l'a dit. Ou bien, il y a d'autres qui disent non, c'est pas ça le débat. Rav Nachman, il a dit non, Behem Tzahagag Machloket. Il dit non, le débat de Rabbi Yaakov et de Chacham, ça devrait être le débat de Abaye et Rava. Que le mur, quand le mur, il est déjà là, Mazé Michané, si le srach, il est plus lent dans les côtés, il attrape. Ça veut dire, j'ai une maison, j'ai une chambre qui fait 5 mètres carrés. Elle n'a pas de toit. Et j'ai sur ce toit ouvert, j'ai un étalage de 40 mètres de souka. Et moi, je suis là-dedans. Vous voyez que ça serait caché. Pour lui, le débat, il est quand j'ai mis sur mon toit, le toit, il est surélevé du sol, j'ai mis 4 bâtons et j'ai mis du srach, comme une roupa. Là, est-ce que c'est caché ou c'est pas caché? Est-ce que je dis, comme déjà, j'ai un mur naturel, comme tu as dit toi, j'ai un mur naturel qui monte. Alors, je dis, continue là. Je dis, non. Il n'y a pas de mur. Même si je suis en hauteur, il n'y a pas de mur. Ça, c'est d'après Rav Nachman. Le débat. Rav Nachman a marbeim tzahagag machloket. Iba yaleu beim tzahagag machloket. Aval al tzfat agag. Divrei akol kshira. Odilma ben bezu ou ben bezu machloket. Il dit peut-être. Comment vous comprendre maintenant? Où j'ai mis les. D'après Rav Nachman qui a dit que le débat il est sur le plafond quand j'ai monté en haut. Il dit, si les Kundisin, ils sont au bord, donc j'ai déjà un tefar et un tefar dû, où je dis, tu sais,
il n'y a pas rien que ça qui monte en haut. Il y a aussi l'épaisseur du tefar. Elle donne une forme de mur. Il y a un mur. Ou au milieu, il y a pas, je ne vois pas au milieu le mur. Il est pas, il n'a pas une chachéroute. Est-ce que au milieu, ce n'est pas bon, mais dans les côtés, ça sera d'après tout le monde caché ou non ? Iba y aller où ? On sait pas. Alors maintenant, on va voir. Alors, l'Agmara va poser une question et après, on va voir la conséquence à l'Afrique. Alors, on va voir. On va continuer encore un peu dans l'Agmara et après, on va voir Rashi. Et on va voir Rashi. Métive, on a posé une question. Naatz arba kundisin baaretz. Vesichech al gaban rabbi Yaakov machshir vachachamim poslim. Vaaretz dekem tzahaga gdami. Vekam machshir rabbi Yaakov. Et toi, tu as dit que le problème, Rav Nachman, il a voulu expliquer que tout le débat de Rabbi Yaakov et de Chachamim, il s'agit sur le toit, d'accord ? Alors, on lui pose une question. Regarde, on voit que le débat, il est même sur le sol. Naatz ba'aretz, c'est pas écrit sur le toit, bagag. Donc, le toit ou le sol, c'est pareil. C'est-à-dire, point de vue zéro de la personne qui est debout là-dessus. C'est pareil. Mais qu'a marché Rabbi Yaakov ? Tu ouvres ta des Ravuna, tu ouvres ta. Comment toi, Ravuna, tu as dit que d'après tout le monde, c'est pas caché. Vehod, behem tsaou de pligé. Aval al tsat agag divrei akol kshira, lemativ tu ouvres ta des Ravuna betart. Il dit, il y aura une couchette deux fois sur Ravuna. Comment tu peux me dire que al tsat agag d'après tout le monde est caché ? Non, tu vois que c'est pas d'après tout le monde. Amal kha Ravuna pligé behem tsagag. Rabbi Yaakov, il a voulu te dire que même au milieu du toit, c'est caché. Ça veut dire, il te dit, j'ai une question sur moi, j'ai pas deux. Le débat, ça veut dire, en réalité, pour Rabbi Yaakov, que ce soit au milieu du toit, qu'il n'y a pas de lien entre les murs avec lui. Hein? Ouais, il est, ça veut dire que c'est un grand toit, oui. Non, il met ça ne coupe pas au milieu. Au milieu. Ouais, plus de 4 amotes du mur. On a vu que s'il n'y avait pas un mur déjà, on ne pouvait pas faire un dauphin à Kuma. Alors il te dit, alors, non, alors il te dit que l'Ikhora pour Rabbi Yaakov qui est marchir, il est marchir au milieu et à plus forte raison dans les extrêmes, qui a le mur virtuellement qui monte. On peut comprendre. Alors le débat, il est, on a amené Rabbi Yaakov, pourquoi on a dit BMTA pour Rabbi Yaakov, c'est tout. Rabbi Yaakov, il est marcher dans le. Ravuna, ça veut dire, il essaye de réduire. Il te dit, tu ne peux pas m'avoir deux. Ça veut dire, on lui a dit, de deux côtés, tu t'es trompé. Il dit, non, je suis trompé que d'un côté. Et il essaye de baisser quand même là. Maintenant, on va voir, Bechdal, à la Khalema, est-ce qu'on dit Goud Asik, que tu fais monter un mur virtuellement, ou tu ne fais pas monter un mur virtuellement? Et dans quelles conditions on fait monter un mur virtuellement? Après, tu peux faire de la même manière que tu fais Goud Asik. Tu fais goud achit, tu fais descendre le mur d'en haut. Si par exemple, j'ai comme une pergola, d'accord ? La pergola, il y a un mur qui penche de la pergola en béton. Il penche un mètre. Maintenant, moi en bas, je n'ai pas de mur. Je dis, fais le descendre virtuellement. Pareil. Point que tu fais monter, fais le descendre. Oh, goud achit, goud achit. Ah, oui, il y a du sera. C'est une architecture comme une sorte de balcon. Je ne peux pas descendre. Pourquoi ? Tu peux remonter, je peux faire descendre virtuellement. Tu fais un cadre, il tient sur quatre poteaux. En haut, dans le cadre, il y a un mur. C'est le scar qui fait la hauteur, ce n'est pas le mur. Non, ce n'est pas la hauteur, ce n'est pas la question de la hauteur. J'ai besoin moi, de 4 murs pour ma souka, 3 murs pour ma souka. Ah, d'accord. Il y a du srar, et il y a un mur qui descend, mais il ne descend pas jusqu'en bas. Ah, d'accord. Okay. Mais Rav, déjà, si on parle de goud asik, c'est-à-dire mur virtuel,
C'est plus logique s'il y a quatre poteaux qu'on peut imaginer qu'il y ait des murs virtuels que s'il n'y a rien comme dans le cas du tonneau. C'est pour ça peut-être que qu'il a mis ça. Parce que c'est plus logique. Alors il y a fait, on va voir. Il y a fait. Déjà il y a les poteaux. Il faut voir. Ça paraît plus logique, quoi. Alors regardez, Rachid. Dans ce cas-là, ça paraît plus logique quand même. Rachid, déjà, il vise ton argument un peu par rapport au débat de Ben Saagad. On va voir, regardez. Regardez, Mahlok et Al-Sfatagag. Mahlok et. Regardez, on continue, Rachid. Mahlok et Al-Sfatagag, quand on avait voulu dire qu'il y a un débat, est-ce que le débat il est sur les extrêmes ou aussi au milieu du gag? Les mechizat abay tartea, qui n'est pas la condition du calme, même à Gouda, c'est que l'achalo amrin en débat, il y a des mechizat en nikarot. Tu dis pas que le mur, il faut qu'il y ait des mechizat en nikarot. Il n'y a pas de mechizat. Divrei hakol psula. Velo daya be'arba akundisim diot lasham arba mechizot. Maintenant, Ari Garcinan, Rashi, regardez là. Rashi, il te dit, il a sa version dans la Gemara. Verav Nachman amar be'emtza agag machloket ve'alidei akundisim Rabbi Yaakov machshira ukegon shehem rachav tefach lechol tzidem deika sham mechizot tefach mitzafon ledarom ושם מחיצות תפח ממזרח למערב בכל אחת ואחת כדי כמה ורבנן סברי לא מתקשרה אלא בשתי מחיצות כי הלכתם כשיעור משך סוכה הוא בשלישי תפח רשי, תגידי רשי, אלא הוא לדיר כאילו דבא דו רבי יעקב אדו חכמים אלה שורינות שוז סיבו וסובנה וזה אקספיקה ענדי עוד דבי כאן אתה נקום עושה סוכה ענדי כסוכה Comme il est écrit dans la Torah, c'est la règle de la souka, comment on peut faire une souka kasher. Sa mère, il a quatre murs, il a quatre parois. C'est comme un même, Sophie, mais bon, il a un peu plus à rendre. Mais en réalité, il a quatre murs, il est kasher. Kaf, il a trois murs, il est kasher. He, il a deux murs, et encore un petit. Comme il a besoin d'être ce petit. Alors il te dit, il y aura même un tefah. Un petit point, comme le hé. Ah, je mets un petit point. Donc on demande trois. Un petit truc. Alors, il te dit, est-ce que je peux mettre... Pourquoi j'ai besoin de trois murs faits? Ici un point, un point, un point, c'est caché. Chaque mur... Il a un tefar qui vient de ce côté, un tefar de ce côté, il continue le mur. Là, c'est plus goudarit, c'est plus goudassique. C'est à la longueur, à la largeur. Alors, selon Rachid, Rachid a voulu. Alors, Rachid pour Rachid, il dit c'est ça le débat entre Hamim et Rabbi Yaakov. C'est ça le vrai débat. Est-ce que je continue ou je ne continue pas? On va voir la Khalima. C'est. Dans Siman Tafresh Lamed. Tafresh Lamed, c'est les murs de la souka. Alors vous l'avez? Ta fraîche la mettre c'est Yvav. Na tsarba kondesin. Ben dem tsagag. Ben al sfatagag. וסיכך על גבן פסולה ויש מכשירים יש מכשירים בנעץ על שפת הגג משום דאמרינן גוד עסיק מחיצה פה מונטה למחיצה
virtuellement. Ça veut dire, je suis pas bien de ça, gag. Je continue le gag. Le mur est continu. On va voir. Bon, qui c'est Veyesh Marchiri? Le Veyesh Marchiri, regardez dans Be'er HaGola. Hein. Vous voyez, il y a une lettre Noun. Vous voyez une petite lettre Noun. Elle n'est pas en parenthèse, vous la voyez? Elle veut parler de la. Alors, dans Be'er HaGola, en fait, c'est un résumé du Beit Yosef. Non, non, Be'er HaGola en haut, Be'er HaGola. En haut de la page, tout en haut. Voilà, Be'er HaGola, dans l'autre page, dans l'autre page. Oui. Rav Shri Ragaon, les filles Girsato, des Logaris, Ibaya Leou. C'est Rav Shri Ragaon, lui, il ne lit pas dans la Gemara, Ibaya Leou. C'est une question. Et là, il y a un débat. Il dit, Nats, pas chaud, c'est moutard. Et là, et c'est même la halakha, même qui c'est qui est d'accord avec cette opinion de Rav Shri Ragaon, Rabbi Yitzhak Geot, un des grands rishonim, et le Rambam, et ainsi a écrit le tour au nom d'eux. Non. Eux, ils ont dit que c'est kasher. Veyesh Marchirim ben Ha'aretz al Shfat Hagag mishum d'Amrinan Good Achit. Shfat Hagag, c'est sur les bords du toit. Si on monte, mais quand on dit Good Achit, ça veut dire qu'il faut quand même monter de 10 cm ou pas? Hein? Quand on dit marchir, le bout d'Afrique. Il n'y a pas de mur. À zéro. Zéro. Il n'y a que des poteaux. En fait, j'ai la maison. D'accord. Il y a dans les. Là, il y a des poteaux. Dans les extrémités. Maintenant, il faut savoir qu'il faut que le toit soit à zéro du mur. C'est-à-dire le mur, il faut que le poteau il soit vraiment là. Mais si par exemple, le toit, il va sortir en architecture, je vais mettre une sorte de toi qui a un rebord, tu vois, ouais. Comme dans beaucoup de maisons qui a un peu, tu vois, pour que la pluie, pour le soleil, etc., ils font un bord, d'accord, comme un petit balcon qui sort sur le, et je fais du coin du balcon, là c'est pas Gouda, là je peux pas dire Gouda, c'est pourquoi, parce que déjà le mur il va comme ça, il arrive là, il fait comme ça, donc là j'ai pas de méritza, d'accord. Ou dans une grotte Shabbat par exemple. C'est quoi alors? C'est quoi Ben Tzahagag? J'arrive pas à le visualiser. Ben Tzahagag, c'est là. En fait, il n'y a pas de mur équivalent. Il n'y a pas un mur que je dis qui monte. Mais quelle est la différence? J'arrive pas à comprendre la différence entre les deux. Parce que si c'est Ben Tzahagag. Si je mets 4 poteaux, 1, 2, 3, 4, et j'ai mon toit qui est là, d'accord? J'ai mes poteaux qui sont là, c'est ça? Non, les poteaux, ils sont sur le toit. Soit tu les mets ici, tu prends la continuité de ce mur de ta terrasse, soit tu les mets là et tu n'as pas de mur qui te permet de faire une continuité avec tes poteaux. D'accord? Maintenant, dans Ilkhot Shabbat, je donne un exemple très simple. Dans Ilkhot Shabbat, on voit qu'on dit Goudasik. D'où on sait? J'habite, ma maison, elle est en plein Réchut Arabim. Dans ma maison, j'ai le droit de transporter, on est bien d'accord? Quand je monte sur mon toit, je n'ai rien sur mon toit. Je n'ai pas de mur. Est-ce que j'ai le droit de transporter sur mon toit? Ah, il n'y a pas de mur, il n'y a pas un rejou. Il y a fait Mérod, il y a fait, bravo. Shabbat, on dit Goudasik. Mais quand on dit Goudasik dans Shabbat, uniquement, quand les poteaux, ils sont alignés, ma mâche. Quand je dis, je considère quand. Mais par exemple, quand c'est. Comme j'ai dit, la terrasse elle sort un peu plus, elle dépasse. S'il n'y aura pas de mur, ce serait un saut. Il faut qu'il y ait une mérite, ça. Le petit cas-là, de 4 points, là, c'est le même cas si je creusais et que je descendais, je créais des parois. Ça, c'est Goudarit. Oui, c'est ce qu'on a dit. Ça, c'est pas Goudarit, c'est Goudarit. C'est le même cas. Le même cas. On est dans ce cas-là. Alors maintenant. Le Mishnah Berurah ici, Stam, il donne un ridouche intéressant. Il dit qu'une souka qui a 3 murs et pas 4. Et je veux faire dans cette souka encore des ouvertures. Alors il dit Bainan Chiyu Shalosh Fanat Asuka Stumot Mikol Rochotev Elo Yemakom Patour et la Mekom Apedar Bilvad. Quand tu as une souka de 3 murs, il ne faut pas qu'il y ait dans ces murs une porte. D'autres, Mais il dit mitzvah mina mouchar. Il ne dit pas c'est pas saoul. Mais mitzvah mina mouchar. Ça veut dire qu'il faut condamner la porte. Si tu fais dans un balcon, il faut condamner un accès. Ou tu fais 4 et là tu peux ouvrir de partout. D'accord.
Si tu fais quatre murs, tu peux ouvrir de partout. Mais si tu as trois murs, il faut que les trois soient fermés. D'accord ? Quand vous faites une souka qui a que trois murs et pas quatre, il faut qu'il y ait qu'une seule ouverture. Il faut qu'il y ait que la seule ouverture, c'est l'ouverture qui est ouverte et pas dans les trois. Pourtant, vous avez dit que souka, c'était avec un hé. Marron, t'as raison. Arrête, même le hé, il est cachère. Même le hé, deux murets. Marron. Mais c'est pour ça qu'il a dit Mitzah mina mouvra. Il n'a pas dit que c'est pas ça. Mitzah mina mouvra. On avait vu le jour dans les bouts d'articles, dans l'histoire du creux, on ouvrait la voûte avec une ouverture avec quatre. On va arriver, on va arriver. On va arriver, on va arriver. Mais j'ouvre des cartes. Pourquoi ? Une porte est toujours. Donc, la halakha, alors rappelez-vous toujours, alors on a un débat, Mahlok et Rishonim. Est-ce que sur le toit, sur les bords, est-ce que c'est kasher? Est-ce qu'on dit good asik ou on ne dit pas good asik? Parce que, est-ce qu'on on prend l'argument de Rava qui dit ba'inan mechitot anikarot? On dit ça même, on applique ça même sur un toit. Ou on ne dit pas. Alors, la version de la majorité des Rishonim, c'est plus qu'il y a déjà une maison en bas. Je considère que la hauteur, elle continue à monter, comme dans une Hilchot Shabbat. L'opinion du Rambam, Ritz Geot, Rav Shrira Gaon. Mais il y a d'autres Rishonim que eux, ils n'ont pas eu, eux, ils ont eu la question de Ibai Aleo, ils ont mis l'argument de Rava qui a demandé Ba'inan Mechitot Anikarot. Si vous avez vu Rashi, quand il a vu, quand il avait parlé de ça, il a dit on ne dit pas Rava. Pourquoi? Parce que Rashi est l'opinion du Rambam. Mais il y a d'autres Rishonim qui mettent tout dans le même pack. Et il te dit c'est pas soul. Il te dit c'est pas soul. Ça veut dire que c'est ça fait que Théoraïta. Nous, on doit être marmé, on ne peut pas le faire. Ne pas faire une chose pareille. Mais Shulchan Aruch, il te dit quand même tu as fait, d'après le Rambam, tu as été acquitté. Après Rav Shiri Aragaon, tu as été acquitté. Tu as mangé là-bas, tu n'as pas besoin de remanger. Je préfère un repas. Tu t'es acquitté. Israël Melismor. Alors, Khalema, si j'ai le droit de construire, je ne ferai pas une chose pareille. Je ne vais pas rentrer dans un safek. Safek de Horaï, t'as bon, ça, c'est le din. Maintenant, après, on va voir. Hein. Alors, maintenant, on va rien qu'un peu, on va voir le Tosfot. אבל אצפת הגג שירה לדברי הכל דחשים מחיצות ניכרות פה מהעמוד משום דן ניכרות בבית היא תדעי יאן ארגימון כדעי כנסת על יקוטה מהם דברי חכמים כסיעו פה זה רבי יעקב זה קשר תוספות היא פה זה קיסטיון היא פוקו דן לטונו תדעי כסה פה קשר דן לעמוד זה פה קשר היא תדעי Là, c'est un petit tonneau au milieu d'une souka. Mais un mur, le trait, comme tu dis, il continue. Même dans la vie, dans la vision des gens, le trait, il continue. Ça existe, des petits balconnets, des petits trucs, tout. Le trait, il continue. Donc, il te dit, il y a ici quelque chose qui n'est pas dans un hamout. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis ce débat de Chachamim et de Rabbi Yaakov à propos du hamout. Ça, c'est Tosfot. On va voir, on va parler après de Diumadin. Diumadin, c'est un mur qui va dans les deux sens. C'est-à-dire, il va là et il va là. Il est comme ça. D'accord. Hein? Oui, un angle. Jusqu'où un angle il peut continuer, qu'est-ce qu'il peut continuer, etc. Et ça, Bezat Hashem, on verra tout ça à la fin de Doumadine la semaine prochaine. J'ai envie, moi, de voir, de compter de Maseret Souka. Le Gaon de Vilna, il a dit que dans Maseret Souka, il y a 85 schémas de Souka Psoula. Et 91 schémas de Souka Kshera. Il a dit Souka Malé, Souka Chasser. Souka Malé, c'est 91 avec le Vav. Malé, donc c'est Kacher. Souka Chasser, pas Soul. Mais le Gaon de Vilna, c'était ça, Maseret Souka. Il comptait les lettres de Maseret Souka tellement il la connaissait.
et il est mort sous côte. Oh. Oh.